Bonjour. Bonjour. Votre prénom, s'il vous plaît. C'est Thérèse. Votre date de naissance, Thérèse. Je suis née le 26 décembre 61. Vous êtes Lyonne. Oui, Lyonne. Ah, c'est bien. Le roi de la jungle. Oui, oui. La reine, hein. On voit bien, normalement, vous êtes une vraie Lyonne. Mais enfin, je vais vous poser une question. Vous êtes de quelle région de Belgique? De Berchem-Sapagat. C'est à côté? La commune de Gamsour. Ah, 1082. Ah, d'accord. Alors, je vois qu'en 1994, ça n'a été pas facile pour vous. Non. À l'âge de 32 ans, 33 ans. J'ai perdu mon mari, oui. Oui, ça se... beaucoup, il semble. Ben oui, je sais tout. J'ai perdu mon mari en 94. Oui, mais c'est normal, hein. Je suis médium, donc c'est logique que normalement je ressens les choses. Hein. Voyez, je vous donne des dates très précises. Et vous voulez savoir quoi exactement? Je cherche du travail et pas moyen de trouver, donc bon... J'ai des petits travails comme ça, hein, donc ça vient. Mais pour le moment, je travaille dans un home. Mais je ne sais pas si je vais rester ou si je vais avoir autre chose. Parce que je me suis présentée dernièrement à une autre place et ça ne va pas fonctionner donc, pour les horaires. Et je voudrais bien trouver un emploi fixe. Donc la question est là. Donc, qu'est-ce que je vais trouver enfin? Alors, vous avez de la chance que vous êtes dans l'année des changements professionnels qui sont très favorables. C'est une année très positive, donc c'est pas négatif du tout. On dirait que vous avez eu des entretiens ou des contacts depuis 4 mois ou 5 mois, mais qui n'ont pas abouti. C'est ça, oui. Il y a eu des choses qui n'ont pas été abouties, mais on dirait que normalement, dans les 2 mois ou les 3 mois qui arrivent, il y a quelque chose, un aboutissement. Alors, il y a un aboutissement à courte durée. Mais il y a un aboutissement surtout dans les 6 mois à longue durée. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une période d'aboutissement qui est difficile actuellement. Tous les contacts depuis 3-4 ans sont très difficiles, sont complètement bloqués. Ça n'arrive pas à bouger dans le bon sens. Et là, vous allez rentrer dans un bon cycle qui est favorable. Alors, je veux vous demander, je veux prendre les tarots, je veux vous demander de me dire stop. Ça veut dire pour que je puisse normalement vous faire la voyance directe. Oui. Alors, vous me dites stop. Oui, stop. 4 chiffres de 1 à 22, s'il vous plaît. Donc, le 6. Le 6. Le 13. Le 13. Le 9. Le 9. Et le 20. Apparemment, actuellement, c'est très difficile. Hein? Oui. Je dirais que vous avez une période très difficile. Mais qui va se débloquer. Il y a un déblocage de la situation. On voit le pendu. Oui. Le pendu, c'est le blocage. Ah, ça n'avance pas. On voit que vous avez fait 2 démarches très importantes. Les 2 démarches n'ont pas été très positives. On voit quand même un certain barrage par rapport à ça. Mais ce qu'on voit, on voit quand même une évolution professionnelle qui va arriver dans peu de temps, dans les 3 mois à 6 mois. Du premier coup, ça sera un CDD, c'est quelque chose de déterminé des heures par-ci, par-là. Et après, on voit quelque chose qu'on signe avec une femme, où vous allez occuper d'une femme, des personnes âgées. Oui, c'est ce que je fais pour le moment. Ces personnes âgées que je les vois, je ressens que c'est un endroit où je vois un bâtiment qui sera gris mais blanc. Je vois un bâtiment gris et blanc, je vois un jardin, je vois des arbres et je vois un enseigne en bleu et blanc. Et je ressens que c'est par l'intermédiaire d'une femme que vous allez avoir un contact avec une directrice. Ça veut dire que vous aurez un contact avec une directrice qui vous permettra de trouver ce travail stable. Mais je vois avant des vacations ou des remplacements
Oui, c'est ce que je fais pour le moment. Actuellement, hein, depuis un moment. Raison. Mais c'est pas stable. Oui. Mais c'est à partir, dans les 3 mois, il y aura la stabilité. Un grand merci, voilà, en tout cas. Une bonne journée aussi. Merci. Je vous souhaite bonne journée, Thérèse. Au revoir. Au revoir.